cumulé beaucoup d'erreurs de jeunesse. Et voilà, on a payé tout ce nombre de buts. Donc c'est vrai que c'est un peu sévère, mais bon, voilà, ça passe par là. On fait beaucoup trop d'erreurs pour espérer faire des résultats. Un petit mot sur l'expulsion. C'est le tournant du match. Comment tu l'as vécu, cette expulsion, cette double sanction un petit peu? C'est vrai que c'est toujours embêtant parce qu'il y avait déjà 2-0. Et puis bon, c'est pas une grosse faute. Il y a déjà pénalty et bon, derrière il met rouge, mais bon, s'il applique le règlement, voilà. C'est tout. Pas eu d'effet psychologique en tout cas avec le changement de coach? Si, on peut pas dire qu'il n'y a rien eu. Il y a eu un bon comportement, mais je vous dis, jusqu'à l'accumulation de nos petites erreurs qu'on a payées à chaque fois, je veux dire. Première mi-temps, on prend un but sur coup de pied arrêté, bon, on suit pas, on sait que le deuxième ballon était très important, on suit pas, il y a but. Mais bon, on reste quand même dans le match, on se crée pas mal d'opportunités, mais on n'arrive pas à conclure. Et puis après voilà, il y a une deuxième erreur en deuxième mi-temps qu'on paye cash de suite, et puis après il y a le pénalty, puis après l'enchaînement de tous ces buts. Au final, comment tu l'expliques cette fessée, si on peut parler comme ça? Au final, je vous dis, on a beaucoup de progrès à faire. C'est sûr que niveau mental, on est mieux, on a un meilleur état d'esprit, mais bon, ça suffit pas.